Quel rôle pour la science et l'innovation dans l'exploitation durable des océans sur le continent africain? La question était au cœur d'un Blue Talk initié par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, une rencontre organisée en partenariat avec l'ambassade du Portugal à Rabat et qui s'inscrit dans la continuité des actions menées par la Fondation et ses partenaires depuis 20 ans. Ça fait déjà près de 20 ans que sous le leadership effectif de son Altesse royale, la princesse Alahasna, la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement s'engage pour l'action en faveur des océans, notamment sur les plages et le littoral marocain. Dans ce cadre, il y a eu une accélération depuis quelques années de la prise en conscience de ces problématiques comme étant une problématique fondamentale. C'est notamment dans ce cadre également que son Altesse royale, la princesse Alahasna, a été nommée comme étant une marraine de l'Alliance de la décennie des sciences océaniques pour le développement durable des Nations Unies. En effet, depuis quelques mois maintenant, nous organisons en quelque sorte une activité qui monte en crescendo pour avoir de plus en plus d'intérêt et d'action, encore une fois, en faveur des océans. Ce Blue Talk vise également à approfondir les thèmes prioritaires à aborder à la conférence des Nations Unies sur les océans prévue à Lisbonne dans un mois. Il s'agissait aussi de multiplier les partenariats innovants et orientés vers l'impact positif concret et durable. Et nous avons une très bonne relation avec le Royaume du Maroc et j'espère qu'il y a une grande mobilisation de la participation. Le Maroc a développé un grand rôle dans les domaines des océans, de l'économie bleue. Et j'espère que dans le futur, nous pourrons faire plus de coopération dans le domaine scientifique entre notre université et les centres de recherche, mais en même temps développer des autres économies bleues, solutables dans le domaine des énergies renouvelables océaniques, dans le domaine d'aquiculture. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement est présidée par la princesse Alahasna, nommée en 2021 par les Nations Unies, marraine de l'Alliance de la décennie des Nations Unies des sciences océaniques au service du développement durable. La Fondation œuvre sans relâche pour la protection de l'environnement et le développement durable.